Salut c'est Matt, bienvenue dans Reward, on est mercredi au taquet, on va parler d'un petit minot qui cartonne aujourd'hui, il y a Ryan. Oh oui monsieur, j'adore tes lancements comme ça, hyper énergique. On va parler de Sullivan qui a plus d'un million d'abonnés aujourd'hui. Et je suis Yannick. Bonjour Matt, bonjour Ryan, bonjour tout le monde. Les amis, je vous en parle depuis vendredi, on a lancé un petit concept, poser une question à vos youtubeurs préférés qu'on reçoit dans Reward. Les amis, c'est simple, ajoutez-moi sur Twitter avec mon arrobase Yannick. Il est dans la description Vinel. Et sur comme ça après je vous réponds et après on diffuse. Et il tweet des trucs hyper sympas. Voilà, allez c'est parti tout de suite, on va parler effectivement de un panda moqueur, c'est 1 076 000 abonnés déjà, parce que là dans cette vidéo vous allez voir il fête un peu son million d'abonnés et tout, et bah ouais, il a déjà pris 70 000 abonnés en plus, il cartonne. Sa vidéo ça s'appelle Je déteste le lycée, et Sullivan il a 15 ans et il cumule déjà 52 millions de vues. C'est un phénomène franchement chez les jeunes, regardez. Attendez, 97, non. Non. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est ce qui m'énerve à l'école. Pourquoi je déteste l'école. Donc j'espère que ça va vous plaire et... Les cours commencent à 8h. Bonne journée. Non sérieusement, je sais que c'est au niveau du panique parce qu'apparemment après manger, on n'a pas le temps, on digère après le manger. Voilà. Alors Yannick. Alors moi je l'ai un peu en travers. Moi j'adore Sullivan, j'adore un panda moqueur, sauf que voilà, 1 million d'abonnés et seulement 10 secondes, allez 10-20 secondes de félicitations, voilà, 1 million d'abonnés, après il est passé à sa vidéo. Pour moi 1 million d'abonnés, Matt, je suis désolé, c'est vidéo événementielle. Ah tu préfères par exemple la vidéo de discours d'Enjoy Phoenix où elle pleure devant sa caméra? Non mais je sais pas, on peut faire une vidéo à la Cyprien pour les 1 million d'abonnés, on peut faire beaucoup mieux qu'une simple vidéo avec du champagne qui pète et une vidéo mal filmée quand il passe au 1 million, c'est bon, pas grave. Hormis ça, le contenu de la vidéo, je déteste. Mais tout ce que j'ai à dire en fait partie, oui, Matt, oui, je suis désolé. La vidéo qui passe au 1 million, évidemment, il était pas en train de tourner la vidéo quand c'est passé au 1 million, il se filmait, donc c'est ridicule. C'est juste un ado qui raconte sa vie au lycée. Après, la vidéo m'a pas fait énormément marrer, honnêtement, j'ai pas beaucoup ri. Pour moi, c'est une vidéo qu'il a postée à la va-vite. Ouais. Mal travaillée, les exemples sont parlants, mais il en a oublié quelques-uns, comme par exemple le téléphone portable, le carnet de liaison qui est quand même essentiel au lycée. Pardon, le carnet de liaison, c'est essentiel au lycée. Non, ouais, mais c'est plus relou, le carnet de liaison au lycée, je suis désolé. Et pour moi. J'aime bien parce que ça lui tient à cœur. Non, mais je suis désolé. Et pour moi, le son de la vidéo. Le carnet de liaison, frère. Pour moi, le son de la vidéo est pas bon, les amis. Je sais pas ce qu'il a voulu tenter, ouais. Avec des flous et tout. Oh. Normalement, Sullivan, moi j'adore ses vidéos, là je l'ai pas reconnu. Après, on sent qu'il change. D'ailleurs, il a renommé sa chaîne, c'est plus un panda moqueur. C'est Sullivan Gwed. Voilà, prénom, nom de famille. On sent qu'il grandit avec son public, on sent qu'il va proposer un nouveau contenu. Là, j'ai le cul entre deux chaises, pour être honnête. Qu'est-ce que vous pensez des lunettes alors, sur Sullivan? Moi, ça lui va bien. C'est très bien, cette question. Non, ça lui va bien. On peut parler de son pull aussi. Alors, il y a un dernier mot avant les pouces? Ouais, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'aime son authenticité en fait, mais la vidéo ne m'a pas fait marrer et tout. Il s'éparpille un peu, donc du coup ça va être un petit pouce en bas pour cette vidéo. Voilà. Évidemment, c'est un grand pouce en l'air. Ça faisait longtemps qu'on attendait. Pouces, même s'il a enlevé les pouces, pour les mecs. Voilà. Ça fait longtemps, Matt, qu'on attendait une vidéo d'un panda moqueur. J'en suis sûr qu'il va revenir avec une vidéo encore plus travaillée. Là, il est en plein examen, donc faut le comprendre. Ah, ça aussi, il faut le dire parce que moi, j'arrivais pas à gérer les cours et tout. J'arrivais même pas à gérer, avoir la moyenne, etc. Alors j'imagine lui, il doit avoir beaucoup de taf. Ouais, c'est vrai, il a beaucoup de travail. Et on le soutient, Sullivan, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile quand on est jeune de se faire incendier sur internet et même aduler, hein, c'est pareil, ça marche dans les deux sens. Après, il faut savoir que c'est voulu aussi si on se publie sur. Bah après, il a vraiment, je pense qu'il maîtrise plus trop le truc, mais c'est vrai. En tout cas, nous on se retrouve demain pour un nouveau débrief. Merci les gars. Ciao. Et bon courage, Sullivan. Moi aussi, c'est un pouce en l'air pour toi.